Salut les gens! Bon bah on va continuer un petit peu notre aventure sur Def Jam Fight for New York. Donc c'est vrai que j'enchaîne un petit peu là sur les deux vidéos. Et j'ai vraiment envie de continuer l'histoire. Une fois que je commence ce jeu, j'arrive plus à m'arrêter. Pour ceux qui n'aiment pas le jeu, je vais faire quelques coupures entre deux parfois. C'est-à-dire que je vais faire une autre vidéo sur un autre jeu. Comme ça, ça permettra un peu de changer. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, franchement ça ferait grave plaisir. Allez c'est parti! Bon du coup c'est reparti, la dernière fois on s'était arrêté au moment où Snoop Dogg, alias Crow, était venu nous mettre un petit peu la pression après notre combat avec Ice-T. Et après il a gueulé en gros en disant que s'il y a un combattant qui voulait se faire des thunes, qu'il vienne combattre pour lui quoi. Donc en gros voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les vêtements et tout qu'on peut acheter. Parce qu'en slip c'est pas hyper stylé. Tiens, les fringues qu'on voit dans le jeu, ils existent vraiment. Vas-y on va mettre du rouge, j'adore le rouge. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre... Vas-y on va le mettre comme ça. Voilà. À l'ancienne. Ok, on va mettre celle-là. Voilà, là il commence à être stylé là. Ça, ça donne quoi? On va lui mettre ça. Bon allez, combat, on va continuer. Ce qu'on va se faire, c'est ça. C'est un chacun pour soi. En gros, le chacun pour soi, c'est un battle royale. Comme quoi, ils étaient en avance avec ce jeu-là. Le dernier survivant a gagné, c'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti, ça, ça tue. Ça tue de ouf. Donc ça, c'est des mecs qu'on a déjà battus. Et sauf Avok, qu'on n'avait pas encore vu. Ok. Et en gros, on peut sélectionner le mec. Tu vois, là, j'appuie sur R2. Et ça a choisi le gars, tu vois, que je peux défoncer, quoi. Voilà, j'ai toujours mes techniques de merde, là. Je suis toujours en arts martiaux seul. Et après, je vais choisir d'autres trucs, parce que là, c'est mou, quoi. Mais là, pour l'instant, je peux pas, j'ai pas assez de points de style. Oh, y'a un qui s'est fait déjà down. Oh, il est chaud, le trick. Attends, je vais prendre la... Vas-y, donne-moi ça, toi. Oh merde, j'ai foiré. Attends. Putain, mais il est chaud, lui. Vas-y. Vas-y, on défonce Trick parce qu'il est chaud, lui. Oh la vache. Attends, j'ai loupé. Putain, voilà, ça bouffon. Ah, l'autre, il veut me choper, là. Il me pointe du doigt, l'autre. Ah non, il va être à deux contre moi du coup. Non, je me casse. Ah vas-y, c'est bon, je l'ai eu. Aïe. J'ai voulu me barrer, il m'a eu. Non, j'ai frappé les deux, j'aurais pas dû. Non, tapez-vous, vous, là. Attends, tiens. Ça, ce que je viens de faire, là, il y a que les mecs qui font de l'art martiaux qui peuvent le faire. Et je peux mettre KO les mecs en faisant ça. Bon, bien sûr, il faut que ce soit dans le rouge. Hein. Vas-y, je réessaye. Tiens. Ouh, faut pas que je fasse le malin. Faut pas que tu fasses le malin parce que là je suis pas bien là. Vas-y donne-moi ça toi. Oh il va se faire buter. Oh il est mort. Oh il est mort lui aussi. Ah c'est bon j'ai gagné. Zéro défaite pour l'instant. Allez c'est parti pour le Babylon. Et on va se friter contre Elephant Man. Alors c'est pas un rappeur, il fait du reggae. Il est trop beau ce mec. Écoutez ces sons, vous allez voir. Donc le Babylon, c'est une sorte de boîte de nuit, bar d'ambiance, style jamaïcain quoi. Il y a plein de maps, vous allez voir, c'est dessus. Lui il est très bon. Ok, donc pour l'instant il est moins bon là, il est pas chaud mais... Il arrive à faire des contres de ouf et tout hein, parfois. Ok. Oh putain. Ah ouais, il fait du kickboxing, c'est vrai. Oh. Ah ouais, putain. Ouf. Oh le bâtard. Oh le bâtard.
Aïe aïe aïe. Je suis dans la merde. Il m'a buté. Bah oui, il revanche. Je vous avais dit qu'il était bon. Oula. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Faut que j'arrive à le contrer en fait. Tiens, je te craque les bras et après je te mets une balayette. Ah, ça va pas le tuer, mais c'est pas grave, vas-y. Ça va lui faire mal déjà. C'est toujours ça pris quoi. Et on peut prendre les néons ici aussi. Je crois. Attends, c'est ici. Ouais, voilà. Et là, je peux le reprendre, le foutre là. Ça déchire quand même. La violence du jeu, franchement. Ah, j'ai raté. Je le répète à chaque fois, mais il est hyper violent et il est trop bon ce jeu. Ah, il est mauvais là, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il est mort, c'est bon. Et là, je vous laisse voir ce qui va se passer. You look great out there. I'll be right back. Whoa, watch yourself, partner. Remember, hell hath no fury like a woman scorned. Donc voilà, là on nous propose soit d'aller vers Carmen Electra ou soit de garder Lil' Kim. Moi j'ai toujours gardé Lil' Kim. Allez, c'est parti. Can I help you? Get out of my face. What did you just say to me? You heard me, bitch. Et là, on joue les meufs. Bah du coup, je suis Carmen Electra là, la rousse. Regardez comment elle se déplace. Et en plus, elle est forte, elle. Donc on peut dire qu'elle est bonne. Elle est grave bonne. Genre les meufs, elles se trouvent comme as, quoi. T'imagines. Je sais pas c'est quoi son style, c'est... Oh là, il y a du kickboxing là, je vois. Ah ouais, elle, son coup spécial ici. Regardez ça. Et ça, regardez. Allez, ciao. Now let's go home and find out how much energy you got left. Ah oui, je veux bien, ouais. Bah, vas-y, on va se prendre d'autres styles de combat là, on peut là. Bon, style. Alors, on va se prendre combat de rue en plus de l'art martiaux et kickboxing ou soumission. Soumission, on pète des bras et tout. Vas-y, on va essayer avec soumission. Donc là, j'ai fait art martiaux, combat de rue, soumission. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, on va changer, on va aller à Dragon House avec Chang. Lui, il est plutôt bon. Et faut savoir que sur cette map là, on peut soit mettre KO l'adversaire comme d'habitude. Ou alors, on peut péter les petites rambardes qui se trouvent sur la map, sur l'arène, quoi. Et, oula, attends, je suis en train d'expliquer. Et on pète les barrières et on peut l'éjecter, en fait, du ring. Et là, on a gagné. Et là, je vais me faire défoncer, je crois. Merde, je me suis foiré. Regardez, vous voyez. Là, hop, il a commencé à le péter. Et au bout de... Par contre, calme-toi, mec, hein. Il est en train de me défoncer lui, calme-toi mec. Je suis mort. Il m'a éclaté le bâtard. Vas-y, attends. Ah, c'est chelou les coups là. Ah, ils sont très moches les coups là. Ah, ils sont dégueulasses.
Regardez la position que j'ai maintenant. Merde. Ils sont trop laids les coups. Oh. Oh, aïe, 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 aïe. Il est en train de m'éclater. Tiens. Oh non! Il me défonce. Oh, il s'est foiré. Ah non. Et pas deux fois, mon gars. Tiens. Tiens, voilà. Tu t'y attendais pas, hein. Ah non. Non, non, je l'ai eu. C'est du mytho, je l'ai touché, là, quand même. Ah, mon coup de poing, il marche pas. Il marche pas, mon coup de poing. Ah ouais. Ok, regardez. Mon coup de poing, il marche pas. C'est un bug dans le jeu. Et c'est quand tu fais arts martiaux machin, ça marche jamais. Putain, je l'avais déjà eu ce bug. Autant, heureusement que ça va pas sauvegarder. Bon, bah, on va tout recommencer. On va retourner au gymnase. Et je vais reprendre d'autres styles, quoi. Ça n'a pas marché. Arts martiaux, kickboxing et combat de rue. Et là, ça devrait être la bonne. C'est chic, quoi. Et en fait, c'est un bug dans le jeu que j'ai eu là tout à l'heure avec le coup de poing. Et ce coup de poing là, il est important, surtout quand tu fais combat de rue. Parce qu'en un coup de poing, tu peux mettre KO l'adversaire quand il est dans le rouge. Et celui-là, il était bugué parce que la combinaison que j'ai faite, en fait, ça fait bugger le jeu. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il est en train de m'éclater. Lui, il est bon, Chang. Tiens. Et regardez comment il se déplace maintenant, mon personnage. On peut voir que c'est différent que de tout à l'heure, quoi. Tiens, voilà. Et ça, je me rappelle que j'ai déjà fait cette combinaison-là, c'est une de mes préférées. Je bug quand je parle, mais c'est pas. Ok, vas-y, nique ta race, nique ta race. Tiens, coup de boule, hop, direct. Là, je vais le choper, regardez, vu que j'ai changé mon truc, là. Regardez ça. La violence, quoi. Kickboxing, c'est ça aussi, au corps à corps, on peut défoncer le gars, hop, jusqu'à ce qu'il vienne dans le rouge. Oh merde. Et après, on fait une attaque plus vénère et ça le tue, en fait. Oh non. Me tue pas, hein. Ouh, la droite. Ouh là là. C'est cette droite-là que je vous disais, là. Et là, elle est pas buggée, vous avez vu, avec la combinaison que je viens de faire, là. Oh non. Oh, j'ai chaud. Ah, oh, je suis mort. Bon, bah oui, revanche, connard. Ouais, va falloir que j'améliore mon personnage. Pff, il est vénère, lui. Hein. J'ai oublié de vous en parler aussi, il y a les prises légères et les prises lourdes. Ça aussi, ça, ce que je viens de faire, c'est une attaque lourde, une prise lourde, pardon. Et ça, je peux mettre KO le mec s'il est dans le rouge avec celle-là. Ok. Allez, mange ça, mon gars. Ah, vas-y, je vais essayer de le mettre KO. Regardez, avec le kickboxing, là. Regardez. Je spam là, carré, 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 carré. Ça va le mettre dans le rouge, non? Ouais. Voilà, il est mort. Ouais, il est mort. Putain, j'ai bugué, j'ai dit il est mort. Bon, ça commence à être chaud pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ma vitesse, ma résistance, ma santé et tout. Ah, réunion ce soir. Allez, vas-y. Man, even with the clubs, my man's managed to take force, we still losing out to Crow. You're late. You on my seat. Sit your ass down. Don't get too comfortable. Yo, so what's the plan? I say fuck Crow. We go in there strapped and lay his ass out once and for all. Wrong.
We do that, and they're just gonna hit us back. What does that solve? We start shooting up the streets and the cops will be all over us. How are we gonna make money with all that heat? So we supposed to just roll over and let Crow piss in our backyard? Listen, Crow thinks fear is power, but he's wrong. A beaten dog may fear you, but the second you turn your back, he's gonna strike. Real power comes from respect. That's what our code is all about. We win Crow's clubs, and he won't have a leg to stand on. So, next step. Blaze, you're gonna go up against Crack. You got it, D. I'll fold that bitch up like an old wallet. Oh. J'ai 17 molaires sur le bras, mais là, ce que je vais faire, c'est que ça commence à être chaud pour moi, là. Donc je vais augmenter ma vitesse, ma résistance, ma puissance et tout. Tout ce que je peux, en fait. On va mettre tout au même truc. Ok, on va mettre ça comme ça, pour l'instant. Donc là, je serai plus résistant, plus rapide, plus puissant. Allez, vas-y. Contre Massa. Massa, je sais pas comment il s'appelle, mais... Tiens, moi, je t'arrasse. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de péter ça. On va le foutre dehors. Bon, on va essayer. C'est pas celui que je voulais, mais... Ah, vas-y, on va peut-être avoir moyen. Ah, vas-y, on va... Tiens. C'était rapide. Bon, là on peut voir que Blaze, donc Method Man, a perdu contre Crack. Crack, qui est Fat Joe, et l'un des bras droits de Crow, donc Snoop Dogg. Allez, on continue, Santos. Alors dans l'histoire, il y a plein de combats, vraiment. Allez, c'est parti. Vas-y, toi. Ah non. Les coups du futur qui se mettent, les mecs. Imagine, tu vois une baston comme ça dans la route. Oh. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Il est mort. Allez, ciao. Arrivé d'Hershey. Voilà, donne tes thunes, mon gars, donne tes thunes. Allez, Babylon. J'entends mon perroquet qui gueule. Je lui dis ta gueule. Dis ta gueule aussi. Putain, elle me répond ta gueule, quoi. Là, combat contre Sean Paul. Et celui-là, je suis obligé de vous le laisser. Vous allez voir comment il est chaud, mec. Ils ont vraiment posé leur vraie voix, les mecs. Mais regardez comment c'est bien fait. En 2004. Et il paraît qu'il y aura un nouveau Def Jam. Alors, est-ce que c'est un remake? Est-ce que c'est une suite? Je sais pas. J'espère qu'ils vont pas nous faire une bouse comme Def Jam Icon qui était sur PS3 à l'époque. C'était pas terrible. Voire pas bon du tout, en fait. Alors lui, il faut l'enchaîner direct, hein, parce qu'il est bon. Oh, il a pas esquivé celui-là. Allez, viens. Bon, alors, il t'arrive quoi, Jean-Paul? Oh, pardon. Bah, écoute, excuse-moi. Je te demande. Hein. Non! Mon truc, il va partir le truc. Oh putain! Tiens, mange ton néon. Viens là. Tiens. Ouf. «
Ah, y'a peut-être moyen que je le nique là. Vas-y. Y'a moyen, ouais, c'est bon, il est mort. Il est mort. Allez, ciao. Red Room contre VC. Je vais lui chier dessus. Je sais pas si vous avez compris la vanne, mais. Moi, je croyais ça drôle. Allez, vas-y, viens. Mais va dans le coin là. Ça. Allez, vas-y, chope-le mec. Voilà. Et là. Ah non, j'ai foiré. C'est pas ce que je voulais faire, putain le con. Ouais, j'ai foiré, c'est mort. Oh putain, je suis dead. C'est pas grave. Comment je lui mets trop cher. Oh. Bitch! Hey nigga! Great match, baby! You came through for us again. Looks like my man just took another one of your clubs, girl. That's what I want to talk to you about. Man, this war is costing us both too much money. You know it, and I know it. What are you suggesting? A truce? Something much more interesting. A fight. Winner takes all. And the loser? The loser? Hell, I don't know. Loser goes to Jersey. Who are the principals? My boy Crack versus your best man. Yeah, and I make him bleed. Just ask Blaze. He remembers me. Alright, you're on. So who's it gonna be? My partner right here. What? Man, this is bullshit! You better watch yourself. Nah, man, you better watch yourself! I'm out of here. Looks like you got yourself a little morale issue there, brother. See you Friday. Don't worry about Sticky. You just be ready. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, le prochain combat sera contre Crack, donc Fat Joe, le bras droit de Snoop Dogg. Et après ça, vous allez voir, ça va commencer grave à partir en couille. Et là, ça va vraiment être intéressant. Je vous dis ça à chaque fois, bien sûr, mais ça monte crescendo. Hein. Il ne faut pas tout envoyer direct comme ça. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer la suite, encore une fois. Ah, j'ai envie de continuer l'histoire à fond, là, je suis trop à fond dedans. Je connais par cœur le jeu, mais j'ai trop envie, en fait, de revoir l'histoire, quoi. C'est ouf. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, ciao!